message de Papa Émile destiné à l'humanité tout entière. Ça demande à ce que nous soyons attentifs, que nous soyons attentionnés à notre Seigneur et notre Dieu. À notre Seigneur et notre Dieu. À notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy Émile Oufassetkwabo. Bonjour, bonne fête des rameaux. Bonne fête de génération en génération. Betresimba Maboko Yanzan. Un peu de sang. Milolo. La grande et dynamique section d'arrondissement Canon. Motiabetoué. Ensemble, là, nous allons saluer aussi les sections du monde entier. Bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning. Applaudissons. Applaudissons. Milolo. Et Beethoven. Notre exhortation de ce matin, à l'occasion de la fête des rameaux, en complément de tous les enseignements recommandés par Papa Émile, vous avez d'ailleurs une note manuscrite à travers laquelle Papa Émile nous donne les passages bibliques. Donc vous avez une note manuscrite de Papa, et quand vous lisez cette note, vous vous rendez compte de ce que vous et nous, nous devons observer aujourd'hui pour mériter la vie éternelle. Le titre de mon exhortation, Niyai, les rendez-vous manqués des membres et membres confirmés avec l'histoire. Les rendez-vous manqués des membres et membres confirmés avec l'histoire. C'est-à-dire que, au cours de la présente exhortation, en ce jour de rameau, nous allons vous démontrer comment Papa Émile, depuis longtemps, veut que nous arrivions là où il faut arriver, mais comment, avec l'appui du diable, comment les membres et les membres confirmés n'ont jamais compris, n'ont jamais saisi la volonté du maître, n'ont jamais saisi ce que veut le maître pour nous et pour son association. Frères et sœurs, la guerre contre Guy Émile Oufassetkwabo ne date pas d'aujourd'hui. La recherche malsaine contre l'œuvre et la mission de Guy Émile Oufassetkwabo ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons demander à Papa Pavi de nous prendre trois chansons. Et va faire notre soeur, Manzimbouyaï, Papa Pavi, qui est pas qu'à la chorale qui est accompagnée. Mais que se rendre compte que, il n'y a que Manzimbou qui va composer que ma zone, va composer que ma souci. Mais il y a que Manzimbou qui date des années. Hein? Et même que se poser la question de savoir pourquoi Manzimbou à cette époque-là. Mais qui parle de la chanson? Manita. Ça dit que Papa Emile qui a vous démontré que Bête va vendre Bête une apparence. Ça dit que Bête qui est dormé. Bête qui est Emile devant Nakula risque Bête qui est Zola Yann. Nakula risque Bête qui est soutenir Yann. Mais Nati n'a pas marqué dans Zola qui. Mouyibi. Est-ce que cette chanson a été composée en 2016? Non. Est-ce que cette chanson a été composée hier? Non. Cette chanson a été composée pendant que Papa Émile physiquement venait pour t'aller avec avant le retrait de 1988. Or, de 1988 à maintenant, ça fait combien d'années? Donc, vous voyez, depuis là, Papa Émile n'a pas que Babon signé le pacte. Des gens qui ont signé des pactes, pas que fois masse, pas que Papa Émile est délivré. Babon de Vandaka, au seuil de la mort, Papa Émile m'est délivré. Babot Vanala a dit que ils ont pas Tunga, ils ont construit leur maison. Ils n'arrivaient pas à dormir dans cette maison. Papa Émile les a délivrés. Réponse Niki, on repart à la chorale, Papa Papi. Soyez dégagés. Ça va, ouais, dis-moi, non, mais ça va, ouais, non, si, 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 si,
1979. Bas on a dans quelle année? 1979. Est-ce que c'est depuis seulement qu'on cherche à tuer un émile donné? Non. Est-ce que c'est depuis avant-hier seulement qu'on cherche à tuer un émile donné? Non. Yann Mazonza, en 1900 combien? 79. Ah, ma frère, ma soeur, oh papa, pas vie, on rentre encore dans la bête. Les États-Unis, il y a la chanson, c'est pas. D'appeler. La deuxième chanson, ma frère, ma soeur, ben nous montrer la coulanda papa Emile. Est-ce qu'il n'y a pas un jour va me traiter ben de magicien? Est-ce qu'il n'y a pas un jour va me traiter une bande à louvoune? Dans ma famille, dans ma lieu de travail, est-ce qu'on vous a pas dit tu me cherches, tu me tentes? Mais avant de vous le dire, on a dit à qui? Au propriétaire de la association. Oh, ma frère, ma soeur, deuxième chanson, papa, d'appeler, soyons dégagés. Mais lui il dit quoi? Oh, Kousso, ça nous fait un pangi. Que dit Zouma, néné? Ah! Pas vieux, on est reparti. Troisième chanson. Bête mette la bounenne à Guy Emile. Bête mette la bampa à nous. Mais on dit encore, oh, il y a quelqu'un magicien. Oh, il y a quelqu'un dominateur. Banane qui est la cousosa. Est-ce que c'est les gens de l'extérieur ou bien ma bande à Katia Kimbuka? Mais, frères et sœurs, l'histoire, l'Ecclésiaste dit tout ce qui a été sera, tout ce qui sera a été. Aujourd'hui, est-ce que nous écoutons, nous entendons pas la même chose de la part à l'encontre de ceux qui font la volonté de papa, qui font l'effort de faire la volonté de papa? On leur dit aussi, bon, tiens, nous vous? Nous vous, non. Bah, magie? Un magicien. Ah, maintenant, la rate, on vous a dominé. Mais comment on peut vous dominer comme ça? Comment on peut vous dominer? Mais le premier dominateur, on a traité le premier dominateur, Nani. Qui est mis l'oufa? C'est tu quoi? Les rendez-vous manqués. Mais qu'est-ce que la façon? Nous avons mis un quiz à la cascade à Beto. Nous avons mis un kédis à Beto. Nous avons mis un sal à la cascade à Beto. Nous avons mis un kédis à Beto. Mais nous avons manqué ce rendez-vous. On a manqué ce rendez-vous, pourquoi? Non pas parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Bon, tout comprendre, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont compris. La preuve en est que dans les monts Ararat, si vous êtes debout, frères et sœurs, il faut connaître la loi des temps. C'est-à-dire que dans la loi des temps, ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu ne sera pas de Dieu. Donc, quel que soit ce qui se fera, on va constater la présence de Dieu par rapport aux œuvres. Frères et sœurs, le fait que vous teniez, vous, les monts Ararat jusqu'à présent, c'est parce que Dieu est avec vous. Et si vous faites la comparaison, vous allez voir quelles sont les œuvres qui sont réellement les œuvres de Dieu et quelles sont les œuvres qui ne sont pas les œuvres de qui? De Dieu. Les rendez-vous manqués. Frères et sœurs,
Pourquoi nous avons manqué ce rendez-vous? Il y a beaucoup qui croient. Si vous êtes debout ici, mes frères et sœurs, c'est parce que vous croyez en la divinité de Guillaume Loufa. C'est Chikwabo. Mais nous avons oublié le grand message à l'ouverture du mont Kari Kari, où Papa Emile dit Nakati ya baba na yanzambi satama kutula babanya ya. L'histoire de Dieu, tous ceux qui ont trahi Dieu depuis le départ, ce n'est pas des gens de l'extérieur. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ah ma frère et ma soeur, mais qu'est-ce que Dieu qui est la Christadienne avec pour croire Nanzan? Dans le peuple d'Égypte, il y avait un venet béto. Bavana guidé par Dieu, c'est-à-dire la journée, il y avait ce qu'on appelait la nuée. Donc, Bavana là, la nuée qui représentait Dieu. Voilà la Kisabanzila. Et le soir, la nuit, c'était les colonnes de feu. La présence de Dieu. Mais malgré ça, il y a qui ne va pas en tenir. Oh, Yanki et Mille Mekonda. Donc, les Bavana de Moïse. Oh, Moïse, mais là, Oka. Joutayan, des bébés. La même chose. C'est-à-dire, l'histoire se répète. Les gens ont vu comment, avec quelle force, Dieu a enfoui Pharaon, ses chars et ses troupes dans l'eau. Mais pas qu'ils ont dit, oh, nous on était pour nous bien là-bas. Pas sous soi béto. Pas qu'ils voient dans le béto. Là on ne mange que la manne et la carte. Frères et sœurs, les rendez-vous manqués. On va vous démontrer en peu de temps comment Dieu nous a ouvert les yeux. Mais comme il y a tellement des infiltrations dans la carte de Dieu depuis longtemps, mais Bayakaka, qui sont dans les maisons mystiques, ils ont connu la divinité de Guémil depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'ils se sont levés sans nous comparer la route. Nous allons prendre seulement quelques exemples. Papa Emile nous dit, peuple de Dieu, l'étoile de David qui était à l'Orient est descendue, va revenir à sa demeure au mont Kari Kari à Kibosi. Papa Emile nous donne les conditions. Il nous dit, pour recevoir cette lumière, ben que ça la reine de chaussée, ben que ça l'igui, il y a auberge. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on a l'auberge là, on a le rez de chaussée? Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais papa Mikungi, mais Kari Kari est la demeure de l'éternel. L'étoile de David est la demeure de l'éternel. Mais comment il y a que dans cette région qu'il y a des guerres? Mais oui, mais toi, peuple de Dieu, est-ce que tu as fait la volonté de guérir une fois? C'est quoi? Et chaque fois que le peuple d'Israël n'avait pas tenu sa parole, n'avait pas été obéissant, le peuple d'Israël était toujours dans les guerres, souvent contre les Philistins. Vrai ou faux? Et on disait, quand le peuple d'Israël faisait la volonté de Dieu, c'est là où il y avait accalmie. Mais chaque fois que le peuple d'Israël se détachait de la volonté de Dieu, Dieu leur démontrait que sans lui, ce peuple n'était absolument. Donc Guillaume nous dit, préparez-vous. En 1992, est-ce que le peuple de Dieu va être prêt? Le 20 mai 1992, va être prêt, hein? Mais après, est-ce que nous avons vingé la bête? La lumière est venue, l'étoile est venue, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que vous pensez que nous, les Congolais qui n'étions pas prêts pour que cette étoile descende au mont Kari Kari, vous pensez que les autres peuples, notamment ceux-là, qui sont passés membres confirmés quand Papa Emile avait 3 ans et toute leur descendance, est-ce que vous avez leur situation? Est-ce que vous savez là où ils étaient? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait à Kari Kari? Ah oui! Parce que l'erreur des Congolais, c'est que nous pensons que nous sommes les seuls au monde à être les créatures de qui est mis le foie. C'est Chikwabo. Un jour, Papa Emile nous a fait vivre. On nous a montré des photos d'une agence de voyage qui organisait les voyages sur Kibosi. Et l'agence de voyage était en Europe. On disait, tous ceux qui veulent aller au mont Kari Kari, regardez la compagnie aérienne. Quand vous arrivez, regardez l'hôtel. Je crois que une sœur de Luanda qui nous avait apporté ce témoignage, moi j'ai encore les images, on a montré dans les photos un Kibosi avec des hôtels, avec des piscines, ce que vous et nous, on n'a jamais vu, nous sommes pas bonqués. Frères et sœurs, une question. Papa il dit, en tant que membre confirmé, tu dois faire au moins un pèlerinage par année à Kibosi. Vrai ou faux? Ouais. Bon, maintenant les frères et sœurs qui sont disséminés à travers le monde, que nous ne connaissons pas, vous êtes sûrs qu'ils ne font pas de pèlerinage à Kibosi? Oui. Mais qui les a déjà vus? Qui les a déjà vus? Personne. Frères et sœurs, les rendez-vous manqués avec Papa Emile, ce grand événement arrive, nous les Congolais, nous ne sommes pas prêts. Mais malgré le fait que nous ne sommes pas prêts, Papa Emile nous accorde trois ans après, nous accorde le privilège de célébrer la venue de cette lumière. Et c'est là où on célèbre désormais l'anniversaire de l'ouverture de la belle cité 3x7 du Mont Kari Kari.
Mais papa est venu pour prouver que c'était un événement solennel, un événement exceptionnel. On ne le voyait plus depuis 1988. Mais il s'est fait filmer exceptionnellement pour que les gens n'entendent pas seulement sa parole, mais puissent voir son image. Et parce qu'il tenait à ce que le message soit compris par tout le monde. Il n'y a qu'un abissage de Nzab. Il n'y a qu'un abon de Nzab. Il n'y a qu'un abon de Nzab. Nakati abon de Nzab, ça tombe tout le baban de Nzab. Et ceux qui étaient à cette cérémonie d'ouverture au Mont Karikari, vous avez vu l'ambiance qui avait régné là. Il y a des gens qui se transformaient en lions. Il y a des gens qui rentraient dans des transes extraordinaires. C'était la bataille entre le mal et le bien, parce que le mal savait que le bien venait de s'installer au Mont Karikari, sa demeure. Et donc il fallait, au cours de cette cérémonie, qu'on puisse déstabiliser depuis le Mont Karikari. Les films sont là. Nous autres là, nous étions des jeunes AO, demeure du 7. Mais on a vécu ce qu'on a. Il y a même une maman qui a déclaré sa flamme d'amour. Une maman mariée qui a déclaré sa flamme d'amour à un papa marié le jour-là, au Mont Karikari. Nous avons vu de cette transe où une soeur est en train de mimer je ne sais quoi. Donc c'était terrible. Parce que, bien que la lumière soit venue le 20 mai 1992 avec les manifestations que vous connaissez, le fait que nous célébrions l'ouverture de la belle cité de Mont Karikari, il fallait que Papa Emile nous démontre que ce n'était pas un événement comme tous les autres. C'est vrai. Voilà le début, il y avait un membre. Le début avec qui? Parce que, il y a un dominateur, il y a un magicien. Mais il vient de démontrer par là que tout ce qu'il dit est la vérité. Et c'est là où les gens ont pris l'engagement, il faut le faire disparaître. Mais il dit que la lumière là va effacer les ténèbres. Va effacer quoi? Ah, mais c'est là le problème. Cérémonie d'ouverture, décembre 1995. Premier anniversaire, décembre 1982. Maintenant, en 97, il y a eu quoi? Rappelez. Qui s'appelait Passi Mounzebele, pendant ces événements-là, qui est venu à Pointe-Noire. Et on avait une rencontre à Rarat, et frère Mosmo était là, Mesonza. S'il vous plaît, pendant les événements-là, la guerre et tout, où se trouve qui est mis Loufa? Mani! Manita! Mais monte la maison à Bouné n'a pas permis. Est-ce qu'il pouvait poser une telle question? Jamais. Mais vous savez, la réalité, c'est quoi? C'est que pendant qu'il y a eu ces événements, à un moment donné, les gens ont cru perdre de vue qui est mis Loufa Sétikwabo. Et c'est là où avait eu lieu le début de la première organisation. Ce frère-là était venu à Pointe-Noire. Ce n'était pas pour la prière, mais c'était déjà pour voir le cas où si Guy Emile ne réapparaissait pas après la guerre, qu'est-ce qu'il fallait faire de son association. Et moi, votre frère, déjà nous étions avertis à l'époque. C'est nous qui avons cassé cette réunion-là à l'époque, en tant que chargé à l'organisation du. Donc ils ont dit, comme le poule a été rasé, c'est sûr que Guy Emile n'existe. Oui. Donc les gens sont venus là. Il y avait une conférence parce qu'ils prenaient déjà les devants pour dire qu'on ne le verra plus. Vous pensez que quelqu'un qui vient confirmer qu'il ne verra plus, on ne verra plus Guy Emile parce qu'il y a des événements. Est-ce qu'il a la foi ou il n'a pas la foi? Il n'a pas la foi. Est-ce que son intérêt c'est servir Guy Emile ou bien c'est son propre intérêt? Son propre intérêt. Ah frères et sœurs,
les rendez-vous manqués de membres et membres confirmés. Dieu est venu plusieurs fois devant nous. Dieu nous a demandé de prendre en main un certain nombre de choses. Mais à cause de l'aveuglement, à cause des infiltrations, à cause des intérêts personnels, à cause de l'égoïsme, à cause de l'orgueil, voilà, nous n'avons pas saisi ce que Dieu voulait de nous. Nzambwa bongé. Nzambwa bongé. Nzambwa bongé. Mais après ces événements, Guy Emile, il avait disparu. Il avait disparu. Non. Mais pourtant, après, est-ce qu'on a cessé de le chercher? Donc il faut l'avoir par tous les moyens. Il faut l'avoir comment? Ouais. Mani. Manita. Mais pourtant le maître démontre que quel que soit ce que les hommes peuvent faire, c'est zéro égal hein? Zéro. Arrive maintenant quelqu'un qui dit qu'il va monter au mont Karikari pour aller prendre l'étoile. En une année donnée que je t'ai, quelqu'un s'est préparé. Il a pris toutes les dispositions. Il dit il va monter pour prendre quoi? L'étoile. Pour prendre quoi? L'étoile. Et ceux qui étaient à Kibosi cette année savent de qui je parle. Moi qui vous parle, j'ai marché, j'étais à sa gauche. Bien préparé. Une chorale qui avait déjà précédé là-bas. Un trône qui avait déjà précédé là-bas. Parce que les gens croyaient que ce que disait Guy Emile, c'est la blague. Que le mont Karikari, c'est la blague. Et nous avons pris la montagne avec ce Fumula, dont j'étais le nom. On arrive à côté du CMS. On entend seulement une chorale de pied. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous attaqués par les fourmis maintenant, sauf nous. Tous. Mali. Manita. Le monsieur est tombé trois fois. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et je crois que ce jour-là, il avait quitté le mont Karikari en sachant que tu sois, quel que soit, comme il dit lui-même dans sa cassette, Papa Emile, quelle que soit ta longueur, quelle que soit ta largeur, quelle que soit ta hauteur, tu ne peux mettre fin à la mission d'un Émile d'eau. D'un Émile d'eau. Mais le peuple de Dieu qui était là, est-ce qu'il avait compris ça? Non. Parce que jusqu'à présent, les gens vont dans les dommages comme dans les pique-niques. Les gens vont dans les descentes. Parce que si tu ne vas pas la descendre, on va se moquer de toi. Ah non, la soeur tunnel n'était pas la descente. Donc il n'avait pas eu le billet. Ah, la soeur tunnel va tout faire. Les premiers temps où nous avons célébré, c'est fait au mont Karikari. La base vie se trouvait au mont Karikari. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la base vie à Nzanza. C'est-à-dire que tout était là-bas. Il y avait même eu des restaurants. Dieu voulait juger notre sérieux à respecter ce lieu trois fois saint. Mais nous avons souillé ce lieu. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus aller là-bas sans pour autant aller déposer les péchés à l'Angétani. Et sans pour autant subir cette montée du CMS. Hein? Prenez pour vous la première étape. Mais quand vous commencez à dépasser le CMS, maman, tout fouille, tout ce qui dit bois vous. Vrai ou faux? Mais c'est le symbole d'une purification morale, physique qu'on doit se faire avant de rentrer à la demeure de. Frères et sœurs, nous n'avons pas compris ça. Un grand événement de ce genre, avec preuve. On vous et nous, c'est ce qui nous intéresse. Quand on dit « Chalababa, ayakadabadada, bou !» Moi, tu me vois. Alors que parmi nous ici, il y a des gens qui ont réveillé des morts. Il y a des gens qui ont réveillé des... Frères et sœurs. Une nuit à 20h, on m'appelle chez les Loufois, à Tietier, là. Papa vient, c'est grave. J'arrive. À l'époque avec la sœur, on arrive chez les Loufois à Tietier là. L'époque où il y avait un phénomène qu'on appelait Bissap. Hein? On te fait disparaître des trucs qu'on appelait ça Bissap, Bissap. Bissap. Voilà, c'est ça. On arrive là-bas, on dit non, il y a quelqu'un parmi nous qui a été victime de ça. Moi je n'avais jamais cru à ce papa Nestor, je n'avais jamais cru à ça. Donc pourquoi j'ai pris le jeune homme, nous sommes allés derrière la maison, pour que je voie. Frères et sœurs, ce n'était pas un mensonge. Je vois comme ça, tout était plat, rien.
là, à Tieti. Et j'ai demandé au frère d'être au cercle. Nous avons fait le tour du cercle. Après, j'ai eu un doute. Je dis, non, frère, viens un peu encore. Je suis allé encore, j'ai vu. S'il n'y avait pas peut-être même un début, hein, rien, plat. Oh. On a mis le frère au milieu, on a fait le cercle. J'ai dit au nom de Papa Emile, que celui qui t'a appris l'instrument, te le remette le plus rapidement. Et c'est lui-même le frère qui dit, eh, Satokusuba. Ça s'est fait comme ça, demander au tabou. Là, à Tieti. Zamba Bongé, l'homme de la terre aime les grimaces, alors que Dieu nous démontre sa vérité dans Katika Tiabé. Ah, frères et sœurs, voilà le premier rendez-vous, le plus grand rendez-vous manqué, où Dieu nous dit de nous préparer pour recevoir la lumière. Mais au lieu même de nous racheter, de nous dire, la lumière est venue, Dieu nous avait demandé ceci, comment on peut faire pour se rattraper? Rien. Toujours caca, moi on m'avait nommé, on m'a enlevé, moi un tel est contre moi la chorale, parce que si je me mets au premier rang, moi un tel ne veut pas que je joue, moi un tel veut que je chante, alors que ça ce sont des petites choses que le diable utilise. Il met quel côté dans le zolo? Est-ce que vous avez un côté dans le zolo? N'a pas grand y'a bête? N'a pas nul y'a bête? N'a pas bon y'a bête? Non. Voilà. Tout ce qui a contribué à déranger papa jusqu'à présent, c'est que quand quelqu'un rentre, il veut être chef. Il veut qu'on le considère comme ce qu'il était. Il veut. Mani! Manita! Et c'est là où à l'époque, les marinières vendaient Tala. Tala va modèle. Papa vient de cuisiner dans non. À partir d'aujourd'hui, Benunos Ben Wataiki. Ben Wataiki. Je me souviens, les premières marinières n'avaient pas de taille. Tu achetais comme ça. Je me souviens en 2001, Kokolo Kopa. Ma marinière, quand on avait une ma robe. L'ouzo, le papa dans ma marinière, c'est le fait qu'on ne puisse pas reconnaître qui est riche, qui est. Vous allez voir tout le monde, même foulard, même type de foulard, même type de marinière, même type de panne. Un point. Pourquoi? Parce que l'homme ne se contente pas de ce que Dieu veut. L'homme ne se contente pas de ce que Dieu demande. La première des choses pour obéir à qui est mis, c'est d'être simple, c'est d'oublier ce qu'on est, d'oublier ses grâces, d'oublier ses fonctions. Et si nous tous nous oublions ça, nous allons faire l'œuvre de partage. Ça dit peut-être que Kaboula, frères et sœurs, na katia mukana nzamba zonda que il n'a pas disciple na tout le babi ma bana son commun. Baba na Kaboula ya ba na ba pauvre vandavé. Ça veut dire que si nous avons des pauvres, c'est que nous n'avons pas encore fait la volonté de Dieu. Zamba bongé. Parce qu'on doit savoir qu'un frère de l'Ouzolo ne doit pas mourir de faim. Nous avons expérimenté ça à l'époque pour les anciens. À l'époque, quand quelqu'un perdait le boulot ou quoi, la sous-section s'organisait pour qu'il ne manque rien dans sa maison. Zamba bongé. Aujourd'hui, on ne partage plus comme ça. On partage maintenant par intérêt. Tu ne partages que si vous êtes des amis. Ça fait combien d'années depuis que nous avons fait le premier 20 mai? Combien d'années? 20 ans. Est-ce que on a évolué? 20 ans après, dans la papa crise, on dit côté m'étalais, je défends qui est mis. Je suis dans la défense de qui est mis. Il n'y a que personne mon colère à votre façon. Je dis, mais franchement, laissez l'association de Twitter. 20 ans après la première prédication publique, nous en sommes où? S'il n'y avait pas la LTOPH, s'il n'y avait pas les descentes au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, on serait où avec les vérités divines de? Ou bien c'est les vérités divines de la justice? À la place des vérités divines de? Vrai ou faux? Ouais. L'ouzolo dans ce qui est faux, tout le monde est debout. Dans ce qui est vrai, suis. Une sœur nous donne les photos de papa lui dans le ciel ici. Suis. Ma vérité à papa, zéro égale zéro. Nous devons avoir un seul objectif, c'est défendre la mission de qui est mis le foie. C'est tout. Regardez pendant les assemblées générales, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mama, même politique m'anime. Yeah! Des réunions, des rencontres. On m'a même dit dans une section d'arrondissement, les gens sont allés voir un voyant. C'est une vérité. Oui, sont allés voir un voyant pour dire comment ça va se passer. Avant l'assemblée, la voyante a dit Bagé Katulungé. Il faut faire ça pour voir que tout le monde veut. Ça s'est passé, hein? Quand
je vois canon, je vois même pas 5 personnes qui ont un boulot fixe. Vrai ou faux? La plupart vont se débrouiller. Mais regardez ce qu'ils ont eu, le terrain là. Le terrain là n'est pas pour papa canon, Kourou n'est pas pour papa et trésor. Ça devient un bien de l'humanité tout en. Mais vous pensez que l'effort que Canon venait de faire, les autres sections ne sont pas capables de le faire? Si. Ces questions, comme a dit papa président dans son mot, c'est la volonté. C'est pas les moyens. Sinon, tous les gens qui sont dans les VIP tous les jours devaient être à jour. Papa éducateur, 2001, prédication publique, 20 ans après. On tourne en rond. On tourne en rond. L'argent, on peut faire aller donner dans les tribunaux. On peut faire aller donner dans les administrations. Au lieu de faire avancer l'œuvre de qui? L'œuvre de qui? Dieu. Quand papa Emile nous dit la paix, la lumière à partir du mont Sinaï, retenez les noms de l'histoire. Il y en a deux qui doivent nous concerner aujourd'hui. Le premier c'est le mont Ararat, le deuxième c'est le mont Sinaï. Relisez l'histoire du mont Ararat et relisez la signification de ce qui est écrit, le repeuplement. Le repeuplement. Relisez l'histoire du mont Sinaï, là où Moïse est allé prendre les tables de quoi? Aujourd'hui, là où papa Emile dit, du mont Sinaï, j'envoie la paix, j'envoie la lumière dans le monde. Oh. C'est pour cela que quand son peuple se retrouve comme en exil, il ramène le peuple à ce monde de l'histoire. D'où, en 2005, il envoyait la lumière, il envoyait la paix dans le monde. Oh. Mais est-ce qu'en 2005, quand il envoie la lumière, la paix, là aussi il pose une condition. Est-ce que nous avons rempli cette condition? Non. Il fallait que le défilé parte du début de la mer là-bas jusqu'à... Mais lesquels ont cassé ce défilé? C'est les gens de Luzolo, en complicité avec certaines puissances. Mais un an après, il y a eu quoi? Ils les ont enlevés. Ce qui retient l'histoire. 2005, Mont Sinaï. Échec dans ce domaine-là. Nzambiwa Bonga. Mais en terminant, je souhaiterais que une petite synthèse avec la permission de papa Nestor Kanukunu, une petite synthèse de ce que je dis soit faite par papa Kasonga Ephraim. Vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que Dieu ne vous... ne sera pas avec vous, ne vous accompagnera plus. Il va s'éloigner de toute personne qui n'obéit pas à ses instructions. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de tuer, de lapider ceux-là que Dieu vous envoie. C'est ça, cette habitude-là, cette façon-là de faire. C'était retrouvé dans nos milieux. Et qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas venues chercher le salut, chercher la grâce de Dieu. Parce que moi, j'ai cherché le salut. Et lorsque je l'ai trouvé, mon cœur s'est attaché. Mais quant aux autres, comme ils n'étaient pas attachés, mais ben, qu'on kima, qu'on batte à OPH. OPH a un cercle. Et ça, n'est-il tourbillon, ma casse, on m'a encore persécuté. Mais quand on a foutu courrier, il y a un membre qui a fait un continent, cercle. Et une minute, il y a un donc, il y a un peu de temps, il y a et que si matin, ok, mais ce que vous dites aux membres confirmés, bah, quoi qu'il y ait malade, bah, l'occasion est simipé. Hein? Donc, il n'y a pas qu'on s'arrête un membre confirmé. Zambiwa Bonga. Écoutez ce que la Bible dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et mi pépé. Le ministre président de la République a bien croyé la pointe noire. Et ça, nous avons croyé une semaine avant. Parce qu'on a déjà, parce que les calamités, tout cas, pour être dans le bateau, en tout cas, si vous allez aller à la voie, tout le problème, par nos soins, nous allons vous aider. Zambi Wabonga. Zambi Wabonga. Maintenant, l'air a sonné. Où toute personne, tout le monde, doit s'éveiller. Doit comprendre que, ah, papa Emile Zonda qui est dans moins de 40 ans. Donc ce qui n'a pas donné une précision. C'est comme après si précision, ben unité. Pourquoi? Parce que ce qui a fait si précision, ben tenez tibino boui. Nez tibino boui. Rolvatin. Là ça la bousoba. C'est tout comme ça qu'a fait 2000. Et à partir on a mal à mon corps. Oui bah ça mon soupe barata bah ma pas la main qu'on a. A qui te contrôle? Là c'est la nana tenez qu'à 30 ans. Ne erreur nana quoi dimanche qu'on a bala. On va fiancer nos sons en bas, c'est là qu'on va cueillir déjà. Tant qu'ils ont commis presque à Boba là, ça va les susciter. Zambiwa Bonga! Mon frère Ronard, on a dit Koshi. On a dit Koshi, et ça va parce qu'il y a un Gokonda. Mais je m'en vais,
misuni ko complete ba ni pas ça. Le temps où nous sommes arrivés, c'est le temps où l'association, le peuple de Dieu, parce que la fin de la justice, c'est une distraction, c'est une diversion. On veut nous faire dévier du sentier prévu. Ce que Dieu nous a donné comme mission, c'est d'évangéliser. C'est d'évangéliser. Puisque tout ça, ma soeur, à Kati, papa, on a fait passer 60 membres. Vous allez voir que non, il y a des gens qui ont besoin du salut. Ils en ont besoin. Il faut te présenter, Bangwango. Zambi Wabonga. Zambi Wabonga. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de prêcher la parole. C'est le temps de servir. Papa, qui est mis le facette Kwabo? Parce que le temps presse. Le temps avance à pas de géant. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Parce que si vous ne faites pas vite. Regardez. Ceux qui ont besoin de se contrôler, besoin de contrôler Vinayote, Motomoso sont contrôlés. Oui. Nous avons un rabat, ma femme de nuit, ma mari de nuit, tout ça, enfoutement, obsession, tout en aise, parce que tu ne veux pas te contrôler toi-même. Tu ne veux pas que Dieu, tous ceux-là que je vous ai envoyés, vous les avez lapidés, vous les avez tués. Vous n'avez pas voulu que je puisse. Non, Sang Sabino, n'est-ce que ce soit Sang Sakabana? Vous est-ce que Moutalo Malobawana, vous avez mis le terre? Parce que Moutalo qui est l'ouzolo, la mère poule, il y en a. Mais pourquoi Jésus utilise le même terme? Que tant on a yaki, n'a tiné bino bateau. Mais tant on a yaki, on a sang, ça bino 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 gâte. Ils ne veulent pas qu'on puisse être ensemble. N'a scandalisé. Même Nzambe à Banga, la vata scandalisé à Moko. Soit Sangana n'a pas fait. Botanana, Genèse chapitre 11. Il dit, Basangani. Donc ils n'ont que les mêmes mots et les mêmes paroles. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils voudront. C'est-à-dire que si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Nous allons changer ce monde. Nous allons changer ce monde. Dalai Lama a dit ceci. Le grand dirigeant hindou. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui réussira à faire rentrer l'enseignement donné par Jésus, l'enseignement sur l'amour. En tout cas, cette personne-là gagnera le monde en Dieu. Et si il réussit cette mission, le monde entier, il n'y aura plus de guerre. On n'aura plus besoin des armes. Parce qu'il aura tout fait. Nzambi Wabonga. Nzambi Wabonga. Revenons à notre mission. Quelle est notre mission? Notre mission, c'était d'évangéliser, d'amener la lumière. Quand papa me dit j'envoie la lumière à partir de pointe, non, c'est que toi, moi, lui, elle, celui qui est de l'autre côté, nous sommes tous lumière. Là où nous irons, nous amènerons cette lumière là-bas. Et c'est comme ça que le Seigneur nous appelle pour que nous puissions faire. Mais si nous ne le faisons pas, regarde ça à moi, il faut que ça là. Pourquoi vous m'avez dit que je suis un peu plus fort? Oui, je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Pour que vous vous au fort. Mais ce que c'est que je suis dans mon soukoun, au sein. Papa Charles, pas tant que moi, il y a une vie. Bon, Charles passe ici, bon, écoutez, bon, il y a un président, au sein qui est là, au collègue. Mais tant que je suis là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais je ne t'ai jamais connu. Beaucoup viendront à mon nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais qui sont ceux-là? Bah, oh, oui, c'est la mission. Tout ça, c'est la mission. Maintenant, il y a un prédicateur. Il y a un peut-être Moyembi. Tant que ça peut Moyembi. Il y a un Tamingité. Il y a un bien dans mon ainsi de suite. Chacun de nous a une particularité. Dieu a investi dans chacun de nous. Et donné ce que toi, tu peux donner. Et cela permettra à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de là. En tout cas, tout ce que je viens de dire, je viens de le dire au nom de qui Emile Loufassi Kwabo, Nzambi Abeto. Amen. 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 Donc c'est un appel que nous lançons à tous les membres, confirmés du Congo et du monde entier, d'être debout, malgré les difficultés, malgré la conjoncture, malgré les circonstances. Notre objectif, c'est de parler de qui Emile Loufassi Kwabo. La mission de qui Emile Loufassi Kwabo, les vérités divines de Dieu. C'est là notre mission.
et nous ne le faisons pas en notre nom, comme nous le faisons au nom de notre Seigneur et notre Dieu, nous irons de l'avant. Merci pour nous avoir suivis. Nous allons terminer par ce passage encore que je vous recommande d'aller lire à la maison Jude. Tout le livre de Jude, donc de 1 à 25. Allez lire.